Aujourd'hui, je te prépare une tarte fine courgette feta. Magnifique. Alors, tu prends une pâte brisée, toute prête ou que tu prépares, comme tu veux. Tu la places sur la plaque du four avec une feuille de papier cuisson par-dessus et tu poses, tu vois, comme ça, ton moule à tarte pour pas qu'elle cloque. Ensuite, tu la cuis pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés au four. Pendant ce temps, tu vas faire dorer tes pignons dans une poêle à sec. Une fois qu'ils sont bien dorés, tu les mets dans un petit bol. Tu prends tes courgettes, tu les pèles pas, elles sont juste lavées. Tu coupes tes courgettes avec un économe, tu vois, comme ça, tu fais des longues tagliatelles. Alors moi, j'ai pris deux sortes de courgettes parce qu'elles ont pas la même consistance. Ensuite, tu presses un demi-citron. Tu mets ça sur tes tagliatelles de courgettes. Tu émiettes grossièrement 50 g de feta. Ensuite, tu ajoutes un peu de thym frais, quelques feuilles de menthe comme ça que tu déchires en petits bouts. Tu sales, tu poivres, tu arroses d'un filet d'huile d'olive et puis tu gardes au frais. À la sortie du four, tu vas laisser tiédir ta pâte. Et une fois qu'elle est tiède, tu vas poser joliment tes courgettes sur la pâte. Tu les égouttes s'il y a un peu d'eau au fond de ton saladier. Ensuite, il te reste 50 g de feta. Tu les émiettes sur le dessus. Comme ça, c'est joli. Tu découpes quelques feuilles de menthe fraîches. Tu parsèmes avec tes pignons. Tu ajoutes deux pincées de piment d'Espelette, ça c'est facultatif, mais c'est bon avec le piment d'Espelette. Quelques zestes de citron et c'est prêt à déguster. Formidable! Ce qui est génial dans cette tarte fine, c'est que la tarte est cuite, mais la garniture est crue. C'est bon ça!